premier par Jean-François Rivière. Mais en deuxième mi-temps, les joueurs de la Mayenne sont plus entreprenants. Ludovic Genest égalise avant que Johan Chapuis, sur un coup franc de Lebouc, ne donne une longueur d'avance à son équipe. Avantage gâché dans le temps additionnel sur un ballon mal repoussé. Rivière, encore lui, est à l'affût. Les deux clubs gardent leur place dans le milieu de tableau. Nantes a encore sombré à la Beaujoire face à Sedan, et ce malgré l'ouverture du score d'Abdoun après 9 minutes de jeu. Par la suite, les Canaries ont laissé beaucoup trop d'espace aux Ardennais qui égalisent par l'intermédiaire de Karaboué. Mokake en contre inscrit le but du 2-1 à la 40e minute. Enfin, Alexis Allard profite d'une énième erreur défensive pour marquer son 11e but de la saison. Score final 3-1, Sedan est 10e, Nantes 13e. Pas de vainqueur entre Tours en bleu et Vannes. À la 23e minute, Rosset donne l'avantage au Vannetais.